Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfank pour un nouvel épisode de Chaos Gate. Donc Warhammer 40 000, Chaos Gate, Demon Hunter, tout ça blabla, beaucoup titres beaucoup trop longs. Et on va aller se faire cette croissance de l'éclosion en niveau de danger modéré avec un acte glorieux qui me plaît beaucoup. Ça me plaît énormément. Éliminer 4 ennemis avec grenade. C'est très très ok, allons-y. Il n'y a plus aucun problème. Moi, si on incite à enlever tous mes objets spéciaux pour partir sur des grenades, finalement, je suis prêt à faire ce sacrifice. Let's go grenade. 1. Augmétique installé. Ah, j'ai récupéré un bonhomme. Ok. Enfant d'articulation, ça change de rien, c'est ça? Aucun effet. Bon. Juste, vous avez guéri un bonhomme. J'ai guéri un autre bonhomme. Intervention requise. Alert! Proximate warp currents are unstable. Recommend immediate aggressive acceleration or the edict's coordinates may be disrupted. Risk analysis? Insufficient cogitation time to perform reductive calculations. Impact imminent. Let me ward the ship, Commander. I just read an ancient tome on the topic of warp turbulence. A heretical text, no doubt. Tampering with the warp on such a scale is foolhardy. The edict is a sturdy ship. We should ride it out. Alors, pour faire des choix, peut courir un risque, le vaisseau peut courir un risque, la propulsion en warp court un risque. On va tester Vakir, on va voir ce qu'elle vaut. Commander, we should not put our faith in such unsanctioned witchcraft. Silence, purifier. I will begin at once, Commander. Résultat, Vakir blessé pendant 20 jours. Stratagème verrouillé. Ah, Argorium en 1, pronosticar hors ligne. Oh non. Oh vraiment. Sorcière de merde. Et j'ai récupéré un autre gars. Et j'ai récupéré tous mes gars. Non? Si? Ouais. Alors quand je dis que j'ai récupéré tout le monde, c'est vite dit. Promotion. Promotion. Alors oui, t'as pas le heal de base. Ça c'est un problème, monsieur, ça. Ouais, il te faut le heal de base, quoi. Fermé. Ok, très bien. Commençons la mission, je sélectionne, check moins 1 de réquisition, hein. Vous êtes vaches quand même les mecs. Hein. Ah non, tu m'envoies pas la team fracassée là. Il faut que tu m'envoies des mecs un peu frais là. Genre là j'ai un mec qui est un peu frais, et il a une grenade en plus. Non, en fait je crois qu'après j'ai que ça des mecs fracassés. Ouais, en fait, j'ai que ça. vous n'avez que ça. D'accord. Moins 3 PEV, moins 6 PEV, moins 6 PEV. Ouais, ouais, faut que je laisse récupérer eux. On va envoyer des mecs qui ont que moins 3 PEV. Ah, mais toi, t'as moins 6, bro. Est-ce que je peux pas envoyer un gars qui a moins... Qui a moins 3... Ah, j'ai un interceptor, moins 3... En plus, full grenade. En plus, full grenade. Que demande le peuple? J'ai pas une meilleure lance, là? Ah, mais déjà, d'accord, ok, t'es un nouveau. C'est un nouveau boy. Donc, je peux augmenter... gagne 4 points de vie au max. C'est pas inintéressant. Honorer le chapitre, choisis un chevalier, gagne plus 1 point. Ça, c'est cool. Je peux porter désormais une armure Terminator. Bon bah, tout est dit.
Ça lui file 2 points de volonté max. Et ça, ça lui file 4 PV max. C'est quoi ton truc? Ce chevalier gagne plus 1 utilisation pour ses cerveaux-crânes équipés. J'ai pas de cerveau-crâne équipé. Problème réglé. Ah oui, j'ai 4 points à dépenser. 2 PA et 1 point de volonté, on peut monter un truc qui est costaud. Hein. On peut monter un porte-bannière bien chaud. Ou alors on monte un type qui cogne fort. Ça se fait aussi. 100, plus 100% de chance de crit. Ouais. Get confirmed. Et alors du coup maintenant, dans ton équipement, mon poulet, alors déjà en arme de corps à corps. J'ai pas un truc genre un peu plus véloce, genre j'ai une épée déjà qui a l'air d'être plus mieux, si tu veux. J'ai des fauchons qui traînent. J'ai des marteaux qui traînent. Ah, ouais. Alors ça, c'est 50% de chance de l'annuler. Je vais prendre un mec quand même qui tank, donc qui a un peu de def en corps à corps. Arme de tir, hein, j'ai que des bolts, j'ai que du claqué. Emplacement d'équipement. J'ai 4 accessoires. J'ai des greffes bénies. 15% en crit pour ses attaques de tir. Ah ouais, mais on n'est pas concerné là. Non, puis nous on aime les grenades. J'ai fait l'erreur d'enlever des grenades. Plus jamais ça. Alors, plus 2 d'armure, ce chevalier a plus 1 de vitesse de déplacement, ce chevalier est immunisé contre les effets de rejet des ennemis de même taille. Oh. Bonsoir. Oh, il est beau. Oh, il est beau le polo. Oh là là. J'ai eu de check parce que les marteaux étaient vraiment très cool. Ta-ta-ta-ta. Le dégât corps à corps, ok. Il n'y avait pas de bonus contrôlé. Ah non, mais c'est l'autre qui a un bonus contrôlé. 5% de crit. C'est un dégât de crit, ok. Ouais, on va le garder avec ce couteau de la foudre. Il me paraît très très bien. Oh là là, il est beau. Oh là là, qu'il est très beau. Et donc là, normalement, il n'y a pas d'autres niveaux à distribuer. Non, parce que moi, ça m'arrange. Hein. Je peux envoyer les gars sur Titan. Est-ce qu'il me rendrait de la réquisition? Est-ce que c'est déconnant ou pas? Non, je garde tous mes gars. Allez. Oh, j'ai l'impression d'avoir une équipe de tortues ninja. j'ai l'impression d'avoir vraiment avec leur double fauchon et tout là. J'ai vraiment l'impression de me balader avec mes tortues là. sauf qu'ils ont des carapaces de tortues du 41e millénaire quoi. Une fois étourdi, certains ennemis peuvent immédiatement être exécutés au corps à corps, octroyant à tous les chevaliers plus 1 PA. Ah, sympa! Donc c'est sympa d'aller chercher l'étourdissement. Parce que si jamais je le sors, je gagne un point d'action sur tous mes gars. Ah, j'avais négligé ce détail technique, qui me paraît somme toute très intéressant et très important. D'ailleurs, je sais même pas si le jeu me l'a expliqué. Mais juste, j'ai pas mémoire qui m'ait dit que ça me faisait gagner un point d'action à tous mes gars. Parce que c'est à tous les chevaliers. Ouais. Ou alors c'est une faute de traduction et c'est uniquement le chevalier qui fait l'exécution. The prognosticars foretell this cesspit will become a foothold for the Morbus if left unchecked. Every last bloomspawn will need to be hunted and destroyed to hold this foul rot at bay. Rejetons d'éclosion. Objectif, rejetons d'éclosion. Eh ben, il est loin. Il est super loin. Il est super méga loin. Moi, je passerai bien par là parce qu'à mon avis, celui-là, faut le tuer. Faut l'éclater. Mais, peut-être faut-il plutôt passer par là. Classe ton armure. Moi je suis venu avec un marteau juste pour toi. Juste pour toi. Vraiment, non-discrimination. These heretics will suffer the ultimate punishment.
Ouais, comme il dit le monsieur. Frappe en force, confirmé. Dégage-moi ça. Foe destroyed, commander. J'ai plus de quoi attaquer là. Est-ce que je peux balancer une petite grenade en piqué là? Une petite grenade rigolote. Oh, ouais, une petite grenade rigolote qui va t'envoyer boulet dans le vide. Oh, vas-y, je suis preneur. Vas-y, je suis très preneur. Ouais, confirme. Salut, ça dégage! Ça compte comme un kill à la grenade? Dites-moi oui, hein, parce que moi ça me vend du rêve tout de suite. Hein. Tu fais quoi toi avec poison psychique? Ah oui, c'est vrai que j'ai dû te prendre. Parce que t'avais rien pour te servir de ton marteau, hein. Ça dégoûte si fort. Le mec, il est fait pour jouer au marteau, c'est son destin. Et j'ai rien pour jouer au marteau. Ça dégoûte un peu. Si je souhaite me TP, je veux que je me TP par là. Allez, je vais pas là. Voilà. Du coup, j'ai ce mec-là à avoiner, c'est pas possible, tu peux pas l'atteindre. Quel max que tu peux aller, c'est là. Tu peux le grenade? Oh non, c'est chaud. Ah, ici tu peux. Ah, oh, ça l'a pas trop pulsé assez loin. Déception. Et Ah ouais, tu peux aller que là. Moving swiftly. Attack! Kill them all! Barely a scratch. They can't see me. You will bleed. They won't see me here. Ah, ça coûte 30% l'éclosion. Waouh, c'est chaud les gars. Oh, confirme. Face me. Tu peux être normal. Oh, tu perds un peu de volonté. Voilà. Nous, notre objectif, c'est toujours d'aller à l'autre bout du monde là-bas. Idéalement, j'ai envie de dire qu'il faudrait passer par là, qu'on se retrouve pas avec des ennemis dans notre dos. Mais en vrai, si on peut éviter d'y aller, autant éviter de. Unleash me. Une histoire de ça. Il marque que je peux attaquer ce truc-là. C'est ça qui est bizarre. C'est bizarre. Ah, je peux encore le déplacer. Est-ce que j'ai envie de le déplacer plus tard? Il y en a deux qui sont si loin derrière. Wouah! Alors toi, laisse tomber, jamais t'arriveras. Peut-être un jour t'arriveras pour lancer ta grenade, peut-être d'ailleurs. Tu l'as pas déjà lancé. Quel éclosion qui se vénère. Je sais pas trop à quoi c'est censé ressembler ça. C'est quoi le projet de cette décharge au milieu là? J'ai pas l'info. Yes, sir.
tout ça, il y a personne ici. Mettre à côté des explosifs, ça me paraît être une excellente idée. Ok, donc c'est bel et bien droit devant. T'es si loin, mec. On the way. Yes, sir. Quoi? Ah, il se déplace? Ah non, il y en a trois. Ah oui, je suis genre pas du tout passé du bon côté. Your orders? Oh, il aurait fallu que je passe par l'autre côté. Bon, we strive. On va aller là où je dois, moi où je dois aller. My blade is yours. As you will. We are discovered. Défendre contre les rejetons de l'éclosion, donc je suppose que nos amis les rejetons de l'éclosion. Alors j'ai mes 3 points. Il y a un marine du chaos de la peste des microbes de l'oubli. J'ai plus de grenades sur lui, j'ai plus de grenades sur lui, j'ai une grenade sur lui, j'ai encore une grenade sur lui. Okay. Très bien. Si je vais jusque là, c'est 2 PA, il m'en reste 1. J'ai pas lu de soucis. Un peu spatial, mais move tout de même. Voilà pour vos couverts de merde. Il y a encore beaucoup de gars, il y a surtout des marins du chaos. Et ça, c'est pas forcément top. Okay. Coucou. Death is our creed. Perforer son armure ou désactiver son arme de tir ou lui coller un étourdissement. Bah, l'idéal c'est un étourdissement, mais je crois pas parce que. Parce qu'il faut que j'en mette plusieurs. Ton explosion, si je t'envoie jusque là, c'est 3 de conso. 1 PA. Tous mes PA. Oh là là. Si je t'envoyais 2 PA, là ici c'est bon. Ok. Moving out! Et là, bon, censé je toucherai rien. L'explosion psy. Je vais voir ce que ça fait. Si je le charge. Ah ouais, j'ai beaucoup de volonté. Hein. Dire je le charge. Je sais pas ce que ça fait, tu me diras. Allez. Il est vulnérable. Une grosse charge pour pas grand chose. We shall stand. Attack! Kill them all! You cannot harm me. Die. Oh, j'ai pris cher.
I will shear you with my blade! Enemy reinforcement! Attack! Kill them all! Ok, donc, seule journée. Pourquoi je peux pas venir me mettre là? Pourquoi pas? Ouais, viens te mettre plutôt ici là. Coûte 2 PA de faire ça? Ah mais c'est 2 PA d'accord dans tous les cas. On my way. Celui-là il est tourni. C'est quoi le projet? Ah oui, je peux le soigner lui d'ailleurs ou pas? Ça lui rendra 0 PV? Ça ne change rien en fait. Que je le soigne ou pas, ça ne change rien. Ok, donc il est HS, HS quoi. Quoi que je fasse, ça me coûte 2 PA de bouger. C'est une grosse blague. C'est une grosse blague. Non. C'est pas ce que je voulais faire, mais ok. Vas-y. Hein. Je peux pas. Genre pas du tout bouger avec lui hein. Si je peux. Je le touche pas. C'est grâce à sa protection que je pouvais pas le toucher, ok. Donc là je suis dans la zone définie par deux mecs. Oh, c'est chaud. C'est chaud, faudrait que je nettoie tout ça, c'est un peu chaud. Mais j'ai 3 points d'action, je pourrais me faire un bouclier à Aegis. Voilà, comme ça je vais tanker l'assaut qui va me mettre. Je te charge. Ici. Et l'autre, tu vas passer en vigilance. Épuisé. Et en vigilance. Oh, ils sont infâmes. C'était un peu prévu, mais bon, c'est infâme quand même. Bon, lui, il faut qu'il aille me tuer les marines du chaos. Ça urge. Stay down. La lourdeur. Oh, les grenadiers sont d'une lourdeur.
Ah oui, coup de marteau. Faut que je tue des gens au marteau. Parce qu'il est trop efficace au marteau. Ouais, je pense que je vais voir. Peut-être pas. Ah ouais, mais il me reste plus d'action, putain. Et ils me font chier. Ils me font tellement chier à m'enlever des points d'action. Ok, ça c'est un tir du coup. Moi je me serais bien déplacé pour sortir sa zone de vigilance à ce bâtard. Le truc c'est que je vais me prendre une sauce du feu de Yude. Allez, faut y aller. Faut tuer des mecs. Genre pas de points, c'est tellement une misère. Die. Marines. Ah, et l'autre ça les coupe pas au sol. C'est intéressant ça. Il vient de passer niveau 3, mais bon. Il va mourir dans la vie. Te dire. Et puis tous les marines de Urgul, c'est tous des tireurs, c'est insupportable. Oh là là. Son truc là pour m'enlever une action. C'est chiant putain, c'est si chiant. Et sa bombe à retardement de lui. Ça a été bloqué ça. Oups, c'était du génie ça. Tu veux dire que je vais pouvoir l'exécuter et rendre un point d'action à tous mes gars? Non. Ah bah non. On est sur un combat infini, enfin un combat fini, non, je vais le perdre. Parce que le mec se fait remettre full vie par. Bah voilà. Insupportable. Ok, j'ai récupéré un Marines. Le TP, ouais, je voudrais le TP là. Non, juste à côté de lui. Étourdissement, il n'y a aucune chance que je l'étourdisse. On va désactiver son arme de tir. Détruit son flingue, c'est ça? C'est le projet. Je peux le frapper. Oh, ok, j'ai plus de veau, évidemment. Il y a lui là qui me rend dingue, mais faut que j'aille soutenir un bro. Je peux même pas y aller, il est trop loin. Et si je grenade par là, ça se fait ou pas? C'est hors de portée. Moi, si je lance une grenade, je touche mon gars. Hein. Ça me prend 2 PA d'aller t'éclater la tronche. Meurs, en fait. Purge complete. Ah, vraiment, les grenadiers, l'enfer. Ça, par contre, quel plaisir. Pas de riposte au fauchon? Ah non, c'est à l'épée uniquement.
Qu'est-ce qu'ils font, ces gars-là? Again! Again! Gros stuff, hein. Je peux rien faire. Je ne peux rien faire. What is your will? On m'a dit que t'as que deux mouvements, t'as que deux actions, donc tu vas t'en servir une pour soigner en fait. Et voilà, fin de ton tour, c'était génial. Là, c'est vraiment. Best tour ever. Ah, si tu peux bouger là, incroyable. Tu peux le tirer l'autre connard là. Tiens, vas-y. Je le touche pas en plus, donc bon bah... toi tu peux venir jusqu'où par là? Faut que je regroupe mes deux gars et faut que je les éloigne impérativement de l'arbre les autres, parce que sinon je pourrais jamais les tuer. Mais jamais. Évidemment. Et la petite grenade. Hein. Donc toi, est-ce que tu peux aller me péter la gueule de ce connard là? Non, désactive son arme de tir à tout jamais. Voilà. Alors plus de mal à t'en servir avec un bras et une arme en moins. Les deux en moins. Je peux même pas l'atteindre. Et c'est enflammé, c'est ça? Ah oui, non, c'est parce que je vais prendre des tirs. Oui, mais ça, je m'en fous. Là, je m'empête de ton tir que je vais prendre, là. Crois-moi bien. Ouais, et ici. Ah, mais si, je le prends vraiment alors que je suis derrière un couvert. Non, ça, par contre, c'est inadmissible. Hein. Vraiment, le tir auto des mecs qui peuvent tirer à des distances improbables, ça me survénère un peu. Donc là, toi, t'es tout seul au milieu des ennemis. Tu vas crever dans 3, 2, 1. En force. Et lui, il est obligé de se battre au corps à corps maintenant. Lui, il va crever. Je peux faire une exécution. Faut que je la fasse. Hein. Arrêtez votre cinéma, hein. Laissez-moi exécuter le mec. Hein. Maintenant que vous m'avez donné le conseil, laissez-moi faire mon truc là. J'ai passé sous une surveillance. L'arbre s'auto-régène. Armure et vie, s'il te plaît. Péter ce mec. Non, sans normalement. C'est une exécution. Exécution.
donne un peu de marines, enfin, tous mes chevaliers pour être exact. Donc toi t'es dans le sillage de ton machin, du coup c'est chiant. Du coup on va galérer à te tuer, donc il faut qu'on t'oblige à venir, à sortir de là. Ici, ok, ça marche. Médic. On recharge dans le loot puisque t'as rien d'autre à faire. On va attendre l'autre fumier, on va l'obliger à venir. On va te rapprocher. Tous mes gars sont dans un état. Les béton. Toi, tu vas couvrir cette zone là. Toi, mon canard. Viens ici, tu vas libérer une zone. Toi, tu vas couvrir cette zone là. On sert pas assez, mais c'est vrai qu'on a ce truc là. Votre croissance commence à devenir inquiétante de ce truc. Yes, commander. Plus d'armes de tir. Maintenant t'es obligé de te battre au close. Continue à tabasser avec de la force à fond les manettes. À fond le massacre. Frappe en force, confirme. Retour de flamme sur le point. Laisse tomber. Passer niveau 8, j'ai pas compris. Le monsieur là il vient de passer niveau 8. Allez, on va commencer à disquer, commencer à couper l'arbre. Hein. Mais ça m'inflige des dégâts ce truc là, c'est ça? Tous se relevant en zombie. Ah oh ouais, mais genre tous quoi, genre même ceux du début ils viennent de se relever en zombie là. Oh la blague. Bah ouais, j'ai envie de te dire, tape là-dedans. Hein. Continue à taper dedans. I strike true. Massacre-moi ça. Non, je vais faire ça. Ah, tu connais les bases. No match. Bien. The Emperor's chosen. Je peux tuer ce fumier avec une grue. Alors, attends, avant de tuer ce fumier avec une grue, il faudrait que toi tu bouges un peu. Ah oui, tu vas te prendre une attaque d'opportunité. Oh, pourtant ça m'aurait arrangé de le tuer avec une grue. Your orders? Est-ce que tu peux me grenade ce machin, genre? Voilà. Pour encore que j'utilise mes greux. Je sais plus combien de types faut que je tue avec des grenades d'ailleurs. Mais voilà. Sachez que ça me fait énormément plaisir de vous avoir défoncé à coups de grenade. Ouais, frappe en force que dalle, ouais. Mais un coup de plat de l'épée, ça fera très bien. Bon bah voilà.
Bon bah j'ai perdu un gars malheureusement j'ai perdu un gars pour ça. Les Nurgle c'est infect. C'était plus sympa quand c'était corne. J'ai récupéré 4 gars quand même. Pas étrange ça. Éliminer un ennemi avec grenade. Ah, il me manquait un gars à tuer à la grenade. Non. Bon bah c'est moche. Du coup pas d'armure de la puissance. Et j'aurais reçu un nouveau type de grenade. Ça aurait été cool. Bon tant pis, j'ai perdu de la réquisition. Si, alors du coup si je peux prendre ça. C'est pas une armure assistée en plus, c'est juste une armure. Les assistants dans une zone de 2 pour infliger 0 dégâts. C'est de la merde. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Et je peux prendre un Justicar pour 3 boules. Confirmé. On n'a plus de réquisition. Blessure critique, ouais. Ouais, bah ouais. Ça douille. Hein. Par contre, il y a quasiment tout le monde qui a passé un niveau. Donc là, on est sur le champion en titre de la du marteau. C'est le champion du marteau, ça. Ouais, c'est le champion du marteau. Ouais, c'est le champion du marteau. Ouais, c'est le champion. Est-ce que je vous ai déjà dit que c'est le champion du marteau? Parce que c'est vraiment le champion du marteau. Donc ça c'est quoi? C'est l'armure, le petit bol de ce chevalier gagne perforation d'armure, l'attaque passe à travers toutes les armures pour infliger directement des dégâts à la cible. C'est pas mal. Plus de volonté. Solide. T'as déjà le brise armure 3 de cette compétence, pas d'étourdissement, ok. Cette malédiction reste active pendant un tour. Ah oui, c'est son explosion psy. Oh, c'est de la merde un peu, c'est un peu de la merde. Merde. Un peu de la marde. Ce chevalier plus une de cette compétence. Chacune de ses compétences auto. Ah oui, c'est ça qui est quand même intéressant. Ok, vas-y. Mais il a pas de compétence auto lui. Attendez. T'as pas de compétence auto toi, bro. Passif. Une fois par combat. Quand il souffre de blessures critiques, ce chevalier récupérera et retournera au combat après 3 tours avec 50% de ses PV back, c'est ça. J'ai envie de te dire, on s'en fout. Non, c'est de la merde. Bon, à la limite, augmenter la vulnérabilité sur un mec pendant un tour de plus, pourquoi pas. Vu que j'ai commencé à le jouer, j'ai envie de dire, on peut le jouer jusqu'au bout. C'est vraiment des tireurs quoi et rien d'autre quoi. C'est dommage. Hein. C'est dommage parce qu'il est si puissant au marteau que c'en est dramatique d'en être là. Mailer, mais en armure Terminator, voilà. Duel en Terminator, on adore. Cette compétence gagne plus 2 de soins. Pour octroyer à la cible plus 1 point d'action et 5 de soins. C'est déjà le cas. Hein. D'accord, j'ai déjà tout. Il me reste encore à dépenser. Ça fait quoi? Bien fait, psychique, cibler un chevalier à distance. 2-1 pour gagner, plus 1 de dégâts critiques lors des attaques au corps à corps et plus 1 de vitesse de déplacement pendant 2 tours. Oh! Là, par contre, ça augmente la vitesse du warp. Ça fait quoi? Ah, ok, c'est mon psy bolt qui arrache un peu plus, ok. Distance de 15 pour infliger entravé. Ah, c'est pas déconnant. Ok.
Infliger entravé, c'est pas déconnant. Un emplacement d'équipement supplémentaire pour accueillir un cerveau crâne. Mais c'est trop ok. Ok, c'est confirmé. Ouais. Excusez-moi, un petit tour par le quartier. Alors, le problème, c'est que les gars, vous ressemblez tous, du coup, je sais pas qui, quoi. Et je vous connais pas par vos blases. Ça, c'est très embêtant. Alors, cet homme est un chevalier. Cet homme est un apothicaire. Ce n'est pas lui dont j'ai gagné un emplacement. Cette fois-ci, on va faire le tour. Normalement, je dois tomber sur un mec qui va avoir... voilà. Voilà. Du coup, il peut conserver une grenade. Et un cerveau crâne. Et ça, c'est parfait. En fait, je crois que mon problème, c'est que vu que j'ai pas regardé... en fait, j'aurais dû détailler d'entrée de jeu tous les arbres de compétences dégâts. Pour pas me retrouver coincé. Et donc, on a une armure ici qui fait qu'on a 15% de résistance supplémentaire. Alors, c'est beau, hein. C'est beau, hein. Mais toi, tu peux porter une armure Terminator, normalement, si je dis pas de bêtises. Mais t'es en Terminator, de toute façon. Qui peut pas porter de Terminator, là? En Terminator, Terminator, Terminator... Toi t'es pas encore en Totor, mais tu peux monter en Totor. Toi tu peux pas monter je crois en Totor. Interdite pour ta classe. Oui. Tiens moi ça. Oh il est si beau. Oh il est si beau. C'est une classe qui est faite pour être joué au marteau. Enfin lui en tout cas il est fait pour être joué au marteau. Hein. Clairement. Clairement y a pas de pitié quoi. Ok donc en fait dans l'idée du jeu c'est que normalement tu gardes pas tes gars. Enfin là dans mon cas actuel. Mes gars sont tellement blessés que je devrais en renvoyer en fait sur Titan. Genre eux qui sont dans des tas franchement chauds, je devrais les renvoyer sur Titan pour redemander des chevaliers de niveau 3. Genre lui par exemple il est que de niveau 2, je devrais en changer pour un par exemple niveau 3. Je serais complètement gagnant. Mais j'ai pas envie de faire ça, moi je joue en mode hardcore, moi je garde tous mes chevaliers. Je garde mon chapitre entier. Je suis vraiment un mec qui se met des balises tout seul. Et ben compétence non? Parce que j'ai vu des trucs en... Pourquoi t'étais cerclé de verre? Ah parce que j'avais évoqué mon curseur dessus. On a deux grimoires, super. La graine, un jour, recherche en cours d'un jour. Bon bah... J'ai envie de dire j'ai fait le taf hein. Revenons au milieu de la galaxie. Retournons nous balader au milieu de la galaxie avec tous nos mauvais choix qui fait que notre vaisseau il est cassé de partout là. Cinématique? Qu'est-ce qui se passe là? Ah, le jeu a crash ou quoi? Ah non, c'est vrai que les phases de chargement sont extrêmement longues sur ce jeu. Je regarde sur mon pro, ça va crash. It is clear that these seeds are fragments of some vile artifact, saturated with corruption. Once fused with organic life, they spread rapidly from the host, afflicting whole populations with a deadly plague. All according to the plague god's desires. Yes. But what confounds me is how it spreads so quickly between solar systems. I have issued an interdiction order for this sector. Interplanetary travel will be limited. With the Emperor's mercy, it will buy us some time. Denial. The Baleful Edict is far too damaged to begin a new campaign. And yet it must. This bloom is already ripening, evolving fast towards some dire purpose. Would you truly turn your back on the trillions of souls the plague god threatens to devour? Never. But how do you propose we stop it? This seed radiates a psychic imprint from what I believe to be some kind of origin. With further research, I will be able to pinpoint that location. I would rather we simply purge them. That is the difference between us, Purifier. You are the hammer, but I am the one with the burden to wield it. Destroying it now would silence the only lead we have. If I can prove these seeds all radiate from the same destination, then we can follow that trail and destroy the source of the bloom's power. Challenge. You said seeds.
You deduce much from only one. You are correct, Tech Priest. I need more. One is not sufficient to prove my theory. Commander, you must send out your knights to harvest more. You would have us limp around the sector with more of this corruption in my hold? I agree it is far from ideal, Dominus. But if the Inquisitor can locate the source of this corruption, then I advise we comply with her request. Affirmative. Excellent. We have no time to waste. Plus 1 de réquisition. Youpi. Youpi, youpi. Faudrait que je change de... Donc ça c'est fait. Ça c'est quoi? C'est la graine, mission plus une graine, cerveau-crâne, extracteur, machin, blabla. Ça c'est quoi? Plus 1 de réquisition. J'ai découvert que les graines étaient synchronisées. C'est quoi, c'est pour faire une mission de manger 5 là, ou c'est parce que j'ai fait 5 missions que je peux le faire? Ah, c'est parce que j'ai dû faire 5 missions. Ok. Plus une graine, cerveau-crâne, extracteur, ok. Il nous faut plus de graines pour comprendre l'explosion, mais elles sont incroyablement volatiles. Je pense pouvoir créer des outils pour nous, pour vous aider à les extraire entières avant que leur hôte ne soit détruit. Ça, ça a juste me donné... j'ai découvert que les graines... synchronisé à un nexus d'énergie cancéreuse, mais son emplacement est nimbé dans les terres. C'est la clé pour éradiquer l'éclosion, j'en suis certaine. Mais je dois d'abord utiliser les graines pour faire apparaître une piste à suivre. Prérequis la graine. En fait, quoi que je fasse, ça va me donner la même chose, donc. Soin. Par contre, ça m'intéresse de ouf. De la téléportation, la torpeur, c'est quoi? Malgré son ouais, ça consiste à immobiliser les ennemis, quoi. Ouais, ok. Du soin. Cible un chevalier pour les soigner. Ça soigne tous mes gars. On cherche ça. Il y a aucune discussion. Donc ouais, ça c'est 4, c'est graines de poxus. Ok, j'en ai 4. Ok. Et pour l'autre recherche, il m'en fallait 5. You have my attention, knight. To be honest, I had doubted your chapter's very existence until recently. I contacted the Ordo directly for martial support. Ah oui, d'accord, donc vraiment c'est... Ah, le mystère total, l'autre elle est inquisitrice, c'est-à-dire qu'elle est quand même au... Elle est au plus haut niveau, hein. Clairement, au-dessus, il reste plus grand-chose, hein. Il reste... les mecs là en armure dorée, la garde personnelle de l'empereur, quoi. Ouais, les plus hauts seigneurs marines. Peut-être Usakar Creed. Vraiment histoire d'y placer un garde impérial, mais sinon, non, en fait, il reste personne. Enfin voilà, il reste vraiment plus que des marines et des primarques. Ouais, les plus hauts marines, les maîtres de chapitre, et encore. Et encore, hein, même les maîtres de chapitre, je pense que. Niveau de l'Inquisition, ça dépend de son niveau d'habilitation, elle, mais il y a vraiment plus grand-chose au-dessus. Hein. Et les Grey Knights qui sont là, comme une vieille cellule de samouraï ninja. en armure Terminator. The Ordo has the best prognosticators, unrivaled in reading the Emperor's tarot. Ok. Yes, you've taken enough of my time. Ah si, il faut encore lui dire des choses. We both have work to do. Oui, what do you need? Do you doubt me, graines? Commander? I do not know where the psychic scent will lead us yet.
Ah ouais, donc elles sont implantées là quand même depuis un moment. C'est quand même un culte. C'est quand même un culte qui s'est mis là il y a un certain temps. En même temps, là, vu moi le degré de corruption. Several hundred, undoubtedly. À plusieurs centaines d'années. Simplement, certes, les seigneurs du chaos sont puissants, mais nous savons qu'ils ne peuvent agir en totale impunité dans l'espace réel. Et la peste est un projet de très très longue haleine, ouais. Ok, ok. My research beckons. Alors, lunettes. Dominus lunette. Bon, désolé pour ton vaisseau. Let us be efficient. Ces fragments sont bien plus que des graines. Ah, antérieur à la grande hérésie. Ah ouais, ça date un peu, ouais. Même si l'origine demeure inconnue, des examens approfondis sont requis, même si les exigences de l'impératrice ont priorité. Comment enfin d'archéotechnologie peut-il être corrupted by the warp like any soul. Ah, je savais pas ça, tiens, qu'il y avait des hérétèques. Ah, tu vois, j'apprends des trucs, c'est incroyable. Oh, c'est incroyable ça. On peut propager du code vicié. Non. On peut en renvoyer du porno sur ton PC. Non. Ah bah dans l'Imperium, c'est terrible. I once had the opportunity to study a predator tank that served the Black Legion. Ok. Ah bah c'est tout pour le moment. Ah, il y a encore des choses à dire. Commander, let us be efficient. Ownership is irrelevant. My duty is to her. Les navires entre la marine impériale et celle des Astartes est un débat aussi vieux que le pacte qui a uni l'empereur à Mars. Commandant, la priorité est hors de propos, ma loyauté est acquise au vaisseau. Its storied history eclipses that of anyone currently aboard. Ok. The interaction ouais, on n'est pas sur le même temps long de réflexion, quoi. Ça die, hein. J'ai rien du tout. On est des pégus, c'est terrible. J'ai plus un serviteur, j'ai plus rien. Wisdom, Commander. I am no age accustomed to working with the Inquisition, brother. The Inquisitor's methodology has by all means. Nurgle is a powerful and detestably creative enemy. The Plague God does not simply desire death and destruction like Khorne. Ok, bon, un orgueil surtout que c'est le pire. Oh, c'est vraiment. C'est vraiment le pire tout pire. Ah, des problèmes. Oh, le grand maître Kai. It is clear the servants of the Plague God have been more active in your sector. However, there is little evidence to suggest this has grown to the scale of a galactic pandemic. If I may. Not yet. To be frank, the Baleful Edict is too damaged to be of use in more active theaters, so I will for the moment permit its continued deployment under your care. Might I then? No, you may not. I grant you the use of my ship to keep your histrionics to a minimum, but this is the limit of my generosity until you provide more convincing proof of this theory of yours. I trust that in the meantime you will keep out of the Commander's way, and let him serve the Imperium. He dismisses my research out of hand.
The Grand Master is no friend to the Inquisition. Are we not allies in this eternal war? The Grey Knights have served as Chamber Militant for 10,000 years, but Vardan Kai has had a sour history with your order. Still, he is a man of utmost principle. If we can more clearly quantify the growing threat of this plague, I'm certain he will offer more support. Commander, what would you have us do? Alors ouais, alors moi j'ai pas compris. C'est Irlandais, j'ai loupé un truc important. Sont ensuite trop endommagés pour servir sur des sites d'opérations plus actifs. Hein, pour le moment, je vous autorise. Ok, d'accord. Pour demander plus de soutien. En guise de preuve, je perds une graine si je fais ça. J'ai pas besoin. J'ai pas besoin de constituer quelqu'un non plus pour préparer un rapport. Nécessite un apothicaire prêt au combat. Mais j'en ai plein des apothicaires prêts au combat. Ils sont tous lingués, mes apothicaires. Nous ferons autre de voir. Hein. Agree, Commander. Let us prove to the Grand Master that... Mais il y aura plus d'XP. Voilà. Et Dieu sait qu'on en a besoin. Toujours, jamais, chance de récompense, blabla. Ah, il faut que je choisisse un truc. Arsenal de titan. Je peux choisir de la réquisition. Allez, je refais mes choix. De grade 1. 2. J'ai rien en fait. Voilà, confirme. Je peux rien faire. Ouais, ça me convient très bien. J'ai donc rien pu gratter. On est d'accord. Je suis sec. Et il y a un vieux point de réquisition là, tout pété, avec lequel on peut rien faire. C'est incroyable. Avance de temps. Nous, on n'a rien à faire. On est très bien. Rejeton d'éclosion détecté, 3 nouvelles missions. On fout. Ah, lancer un nouveau projet. Donc maintenant on a... C'est ça, hein, chambre d'augmentation pour obtenir un serviteur tous les 10 jours. Il faudra 4 serviteurs pour faire ça. Vitesse de construction, d'accord, mais on n'a pas le temps. Tu veux que je joue à quoi, moi? Avec mon tour room, là, 4 serviteurs, pronostiqueur hors ligne. Ouais, je sens, on se les fait péter, ouais, je suis au courant. Ouais. Ouais. Mais je peux pas le réparer. Non, attends, on va y aller, calme-toi, calme-toi. Tu as un ennemi, tu éliminer un ennemi avec grenade, on est d'accord. Bon, bah, let's go. On va te trouver ça. C'est bon, j'ai récupéré un gars. J'ai plus beaucoup de gars disponibles, hein. Vraiment, c'est chaud. Hein. Le niveau de souffrance est total. Vas-y. Il ne reste plus personne pour combattre. Mais si, regardez, il reste plein de gens là. On a qui? Kadon et Lune. Et ben, Midgar. Et ici, tu mets. Ici, c'est un peu chaud quoi. Attends, j'ai Midgar Bors. Ah non, je l'ai pas mis. Donc, on a. On a Midgar Bors. Bors. Stratagème, j'en ai toujours qu'un. Hein. Mais il faut que je pense à m'en servir de mon stratagème. J'ai un apothicaire un petit peu abîmé. Ouais, mon 3 PV, il faut que je prenne celui qui a le plus de PV. Celui qui a le plus de points de vie. Ah non, on peut pas avoir leur PV là. Là. C'est leur croissance d'XP. You, mon apothicaire de niveau 3, il est là, dans 19 jours il a récup. Ah mais attends, lui dans un jour il a plus de blessure là. J'ai quoi, purgator, ça ferait 2 purgator et 2 justicar. Je suis ok. Oh, tu es ici là, avant tout le temps. Voilà, parfait.
lancer la mission. On sélectionne l'objectif. Confirme. Hop. Et là, normalement, coucou. On a plein de gens. Waouh, on a vraiment plein de gens en plus. Donc là, j'ai du 3. Ok, là, j'ai du 3. Je sais pas trop ce que je fais, mais je l'ai. Ah, attends, il faut. Mais lui, il faut que je l'améliore par contre. Tu passes ton niveau. Donc on était parti sur un mec qui mettait des gros gifles. C'était le projet, c'est ça? On est sur de la gros gifle. Ça ajoute du saignement. Ça prendrait de la volonté en plus. Et ça, ça faisait quoi? Un dégât au crit. Mais comment ça? Ah oui, il est parce qu'il est blessé, donc il faut que tu bouges. Retirer du chapitre. Et donc lequel hein, j'ai Dithrak, donc on rajoute Darik. Donc je n'ai aucun gars blessé. Par contre toi t'as un espace de libre là. Ah oui mais parce que t'es à la batteuse. Ok ok, t'es à la batteuse. Et toi t'as un caillou psychique. Toi t'as une assiste à la visée, donc j'ai que deux grenades. Mais en même temps il faut que je ne tue qu'un seul gars à la grenade. J'ai quand même réussi à rater un objet à la grenade. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte à un point. C'est bon, je suis en train de partir sur un épisode beaucoup trop long. Je vais pas regarder le timing. Alors, mon deuxième écran est un peu loin de mes yeux. Mais je vois qu'on est à plus d'une heure. Ça va, l'épisode est encore de taille acceptable. Tant qu'il a pas dépassé les 4 heures, de toute façon, il est... Il n'est pas urgent de terminer. Au bout de 2 heures, il est temps de faire une pause. Au bout de 3 heures, il commence à être long. 4 heures, c'est beaucoup trop. Une heure, quand on est en dessous des 2 heures, là, une heure, on est vraiment sur de l'épisode que je qualifierais habituel de la chaîne. Pourquoi est-ce que nous détectons ces seeds si souvent dans les ruines de notre grande ecclésiarchie? C'est le Lord Plague Lord moquant nous, Purifier. Il moque l'édifice de notre Imperium. This bloom is only one of countless jibes. We will undo every one of his jests, brothers. The seeds lay ahead. Extract or destroy them. Ok, ça va, c'est pas trop loin. Ok, ça va, c'est déjà plus loin. Bon. Ça a l'air de se faire en termes de distance. Space Marine en avant. Space Marine en avant. Enfin, du coup, chevalier. C'est pas des. C'est pas des Astartes. With me, my brothers. Oh, les couverts, quoi. Les couverts, là. Pour le tour, c'était tellement conçu pour être marché dessus. Une bâtonniste, marteau, lance et une batteuse. Croissance de combien? Croissance de 15. Bon. Voilà, je veux pas être bien, mais vu le niveau de Mega Joe, ça devrait bien se passer. Rally, fools! Your fate shall be tested. Brothers, strike for the chapter. Ok, où est mon martelier? Je change que je mets une charge de Warpsil. Ah si, sachant que je lui donne plus 2 points d'action et plus 1 de volonté, ignore les couvertures. Ah oui, oui, il devient infâme. Il devient infâme. Excellent. Ceci étant fait. T'as pas de grenade toi? Bro. Pas de petit bolt, hein, juste. Je t'en tire tout ce qu'il y a de plus classique, ça fera très bien l'affaire en tirant. Parfait. Viens ici. Ça ne sert à rien. C'est nul. Donc là, ça te coûte 3 points de venir jusque là. Moi, j'aurais dû descendre à 2 là. Ça c'est un pour venir jusqu'ici.
As you command. Il y a un truc qui me gêne qui m'empêche de. Et un mort à la grenade, un tué grenade. C'est donc validé. Quoi ? Allez jusqu'où là ? Yes, commander. Frappe-le en force quand même. T'as tellement de volonté de toute façon. Autant lui apprendre le respect. Voilà. Elle a massé un peu de respect dans la bouche, elle lui a fait du bien. Ah bah oui, t'as essayé de bouger. Fausse bonne idée, hein. Fausse bonne idée, hein. Mais il est tellement bien ce parfumier. Cette classe qui peut pas être jouée au marteau, ça me dégoûte si fort. Il est né pour ça, voyez-le, voyez-le, il est fait pour ça. C'est sa destinée. Voilà, mais maintenant tu vas mettre ta vieille grenade qui pue là. Il y a d'autres trucs qui sont apparus, c'est ça? Ah, j'en ai un autre qui m'est apparu derrière. Okay. Ouais. Alors, Ah non, toi t'es pas un cac. Toi c'est parfait, tu n'es pas un corps à corps. Toi tu peux littéralement... Non, je fais pas deux, je veux que tu dépenses un. Ça coûte deux de te déplacer, t'es fou malade. Que j'avais demandé hein. En fait le jeu me l'a envoyé se suicider alors que c'est pas du tout ce que je lui ai demandé. Ouais, charge, vas-y, dégage. Là bas c'est terminé. Et progresse. La même. On peut passer à travers ces trucs là hein. Ah non, il va falloir passer par là. Ok. C'est 3. Yes, sir. At once. Firing on target. Sanctified and purged. Il me reste encore un mouvement. Obscur les mouvements dans le jeu. Enfin, obscur pour moi, hein. Évidemment. Je pense qu'ils sont tout à fait ce qu'il y a de plus carré. May the powers protect us! J'ai 1 million d'ennemis. Moi, je propose de rigoler et d'attendre qu'ils viennent. Voilà. Voilà. Rigoler, pour une fois, c'est nous qui allons les attendre. Je pourrais venir me cacher jusque là. Oh, déception. Je vais marteler sur la droite. Là, si jamais il y en a un qui passe. Ah non, c'est le Sceptreman. Sceptreman et Canonman. De la droite, deux par le centre. C'est à dire qu'au centre là, c'est coup de lance, coup de marteau si tu passes. C'est... Des arguments. Mettre fin au tour. Ah, petit armure Aegis, ça fait longtemps. Faut que je lui gonfle sa protection Aegis.
watch over me. Hello. With me, my brothers. Bonjour, je suis un homme caisse. Un point de volonté. Ah, t'as plus de veau. Ah ouais, 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 si t'as plus de veau, c'est un point de veau. Tu peux tirer un saut psychique. Ça va me le one shot, ça. Ah oui, c'est... oui, d'accord, oui. Oui, c'était la fameuse compétence, d'accord. Ok, j'ai la ref. J'ai effectivement, j'ai cette référence. J'ai plus de points de toute façon. Hop, confirme qu'on va le tabasser. Petit massage. Ok, une armure Terminator, toi. Armure Aegis, s'il te plaît. C'est parti. Tu peux pas aller le taper? Non. Ah, tu le tues même pas. On attrape en force. We slay the darkness. Attends, j'ai un chevalier qui est là. Ah, ça a propulsé mon chevalier ou... J'ai pas compris ce que ça a fait à mon chevalier. J'ai pas vu ce qu'a reçu comme mutation le premier gars, c'est un peu embêtant. On a pas. On a plus de veau. Ah, mais plus son arme. Voilà. Je vais tuer là. Ce marteau est d'une qualité, hein, mais vraiment. Il est incroyable. Onward, brothers. Et si je te demande d'aller le taper au cou... Ah oui, tu peux pas. Ok, t'es trop. They will rot no more. On est à 3 charges, ok. Donc nous on va avoir des gars... Le mieux ou le marqueur? Ok, ici. Marqueur là-bas. Ok, non, y a rien d'autre. Donc faut repiquer sur le centre. Il est couvert sur le centre. Ah, on va être à mi-chemin... Ok. Bon bah ça peut se faire, vas-y. Je mets les armures Terminator devant, parce que je commence à prendre un peu. At once. All spec sensors detecting nearby foes. Ah. J'ai redétecté un nouvel adversaire, une nouvelle source de problèmes. Ah, et ils ont un marin du chaos en plus.
Commander. Yes, sir. Ok, donc je vais supprimer son armure. Bon, c'est déjà ça. Où es-tu, poulet ? Tu es là. Moi, j'avoue. C'est quand même. Désolé, c'était tentant. J'ai pas pu résister. Terminated. Non, j'ai pas besoin. Vous étiez pas censé être enragé, vous foutre sur la tronche, je comprends rien. Enragé, c'est pas détaillé, du coup, je sais pas ce que ça fait. En fait, moi, ce que j'aimerais, c'est que tu viennes ici. Non! Ta mère. Ça marche ça au moins, ça fait des trucs, ça fait des dégâts, ça fait rien du tout. Bon bah écoute, let's go, va le tuer. Ah, ou alors, tu peux aller le tuer lui. Confirme. I am the Empress Vengeance. C'est un peu mal hein, cette attaque psychique. Hein. ça déblaye un peu. Hein. Ok. T'es où? T'es là. Il me reste encore une cartouche. Il est où lui? Il est devenu le décor ou ça se passe comment? Commander.
On sait pas ce qu'il a fait. Lui, il avait juste mort de la vie. Il a tombé, il est mort. Ok. Ok. Et donc, deux chaos. Problème réglé. Ah non, mais là ils se font bolos, c'est terrible. C'est terrible ce qui leur arrive. On n'imagine pas à quel point. J'ai pas. Ah, j'ai plus de volonté. De toute façon, on va pouvoir y aller. Hein. Donc on va cogner cela. Voilà. Là, j'ai deux marines à portée de marteau, c'est ça. Encore une volonté de dingue. Est-ce qu'on peut cibler deux gars? Non, on peut cibler qu'un gars. On va ignorer son armure. On va faire sauter son armure. Il est vulnérable. Et là, un coup de masse. Quoi? Oh, je suis trop loin pour un coup de masse? Non, c'est une blague, c'est une blague. Oh, je suis trop loin d'une putain de fucking cast. Oh, ça rince le démon ancestral. We strive. Oh, je suis trop loin aussi. Tout est fait pour me faire chier, putain. Incroyable. Cibolte-le, vas-y. Ouais, censé filer enragé. Mais enragé, ça a l'air d'être un bonus, pas un malus, j'en sais rien, je comprends rien. Ouais, c'est ça. Va le péter. Plus une vigilance, c'est ça? Voilà, plus une vigilance, enfin une surveillance. Il va y avoir du beau monde. Oh, l'autre, comment il voyage? Ouais, c'est si rigolo. Hein. L'âme corrompue. Et ils sont trois à l'avoir reçu. Ou plus peut-être, mais bon, le problème c'est que le placement de la caméra. Your orders? J'en parlerai bien, mais. Faire ça pas aujourd'hui quoi. Complètement d'accord. Un psy patate. L'unité de ce chevalier, excusez-moi. Voilà. Toi sur une caisse. Explique-lui le respect. Explique-lui le respect. Tombé tourné, il est exécuté. On va voir ça demi-tour, hein. Let's go, hein. Pas le temps. Donc, est-ce qu'il me reste des points? Non, il reste pas de points. On va taper celui-là. Le bâton se sera dans la gueule. Rollback moi ça. Ah non, j'ai pas le choix. Moins de dégâts avec ses attaques au corps à corps. Ça peut être intéressant parce qu'ils ont des lames maudites. Ah oui. Alors il va pas me faire le coup que vu que je suis là, je vais pas tirer. Bon, tu vas pas me faire ce coup là. J'ai pas de munitions, recharger. Ready.
ici. Death to the enemy. It will be done. Foe destroyed, commander. Ah, protection Aegis en plus. Ça va tanker. Oh bah immobilisé, hein. J'ai pas l'intention de bouger. Intention de rester avec vous, je vous explique. Le gars il a cru que j'allais fuir. C'est trop mignon. Continuez. Oh c'est dommage, je les ai pas. Je les ai pas finis. Cela c'est un peu triste. Un ennemi confus est momentanément neutralisé et ne peut pas utiliser ses compétences auto. Toutes mes confuses, nous disait Confucius. J'ai pas. La mission c'était tuer un mec avec une grenade, hein. C'était pas tuer. Éliminer 4 ennemis avec grenade. C'est parce que j'ai tué 4 ennemis avec des grenades qui vont les pile en tuer qu'un seul. C'est bizarre. C'est bizarre, et si vous avez la réponse, j'aimerais bien la voir. Parce que là, je trouve ça très étrange. Matrice nullifère artisanale. Passif, la compétence protection Aegis de chevalier gagne plus 3 d'armure. C'est solide, hein. C'est solide. J'ai plus rien, mais je confirme. Ça prend du niveau. Hein. Pouvoir. Pour me pouvoir, plus de sauce, hein. Plus de sauce, plus de sauce. Ouais, plus de sauce, ouais. Ouais. La subtilité, quoi. Ouais, j'en ai bien peur. Hein. J'ai bien peur qu'on reste extrêmement subtil. Il n'y a pas lui qui doit passer un... Ok. Statut du vaisseau. Oui, tu veux me parler d'un truc qui est toujours détruit, c'est ça? Ouais, super. Ah, j'en ai 4. Let's go. Je lance le projet. Dans mes quartiers, j'ai promu le seul... Pourquoi j'ai 4 mecs blessés? Parce que vu qu'ils sont revenus avec des égratignures, ils sont considérés en blessure, là, pendant X jours. C'est insupportable. C'est insupportable. Bon, lequel de mes chevaliers tient un flingue? Voilà. Comme ça, c'était rapide. J'aimerais voir dans ses compétences. Est-ce qu'il aura possibilité lui aussi, comme tout le monde? Voilà, d'accord. Ce chevalier possède un emplacement supplémentaire pour accueillir des grenades. C'est extrêmement sexuel. Si, si. Ah, si. Si, si, si. Si, 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 hein, c'est extrême. Ah, par contre, c'est vraiment un mec. C'est vraiment des gars la sauce, quoi. T'en envoies 4 comme ça, mais comment tu tues tout ce qui traîne, quoi. Mais en fait, c'est terrible. C'est vraiment la meilleure classe du jeu. Parce qu'en plus, sa zone, genre là, vulnérabilité de zone, c'est-à-dire que même si tu tombes sur du Marines qui est costaud, etc., tu peux percer leur armure, tu peux ignorer leur armure. Enfin, même, excuse-moi, tu l'actives pour briser leur armure. Derrière, tu fais des tirs en zone, enfin, c'est une horreur. Et puis tu peux leur mettre de grenades. C'est infâme. Ils sont infâmes, les mecs. C'est-à-dire que là, moi, je viens de faire ce côté-là, c'était très bien. Maintenant, je pars là-bas. Hein. C'est là-bas que ça va se passer, maintenant. C'est si infâme. C'est si infâme. Mais Thierry, c'est terrible. Bon, il n'y a rien de plus à ajouter sur ce gars. Alors, c'est quoi? C'est que j'ai gagné encore une armure Terminator. Ouais, d'accord. Excusez-moi. Qui n'a pas son armure Terminator, s'il vous plaît? Alors déjà, est-ce que t'as une armure plus plus? Tu as une armure plus plus. Très bien. Tu n'as pas d'armure Terminator? Quelle est donc cette aberration? Parce que tu ne peux pas porter d'armure Terminator, mais quelle aberration! Emplacement de cerveau crâne, ton armure c'est une Terminator, mais de base toi. Gagne plus 1 d'armure, ce jeu gagne plus 1 de volonté max. C'est cool! Sur un médic, c'est cool parce que je crois que ça lui bouffe de la volonté de soigner des gens. Non, juste des points d'action. Si, il n'y a pas une histoire là de si je l'ai renforcé. Tes compétences là. Je peux voir tes compétences. Tac, tac. Il y a un truc qui s'active là-dedans, non? À activer. Et ça bouffe 2 de volonté. Ouais, c'est ça.
Mais ça file un PA, un point d'action supplémentaire à un pote. Donc oui, ouais, très bonne idée. Très très bonne idée d'avoir une armure Terminator bien grasse sur lui. Qui lui donne des bons petits points, un bon petit point de volonté en plus. Get equipped. Oh là là, ils sont beaux. Oh Polo, ils sont beaux mes chevaliers. Oh Polo. Polo. Armure de base, ah, la déception. Alors, j'ai deux armures. Oui, oui, parce que j'en ai une spéciale. J'en ai une spé qui tourne encore. Ok, j'ai pas de. Genre, ouais, j'ai plus que des trucs de base. Ouais, désolé. Ah, désolé, les gars. On est un peu pauvres, hein. On est un peu. On galère un peu. Hein. On ramasse. J'ai envie de dire, ce sont malheureusement des choses qui arrivent. C'est joli. Nous, on est. Moi, je veux bien aller là, hein, mais ce sera terminé. Hein, donc, je pense plus aller par là. Et on va faire avancer le temps tranquillement. Je vous jure, j'avais un téléphone portable avec un chrono, je sais même pas ce que j'en ai foutu. Et je crois que j'ai même pas activé le chrono. Oh, qu'est-ce qu'on fait là? On fait un épisode qui est beaucoup trop long. Vraiment, les épisodes de moins d'une heure, chez moi, c'est vraiment des épisodes commerciaux. Quand ils font tous 50 minutes, quoi. Avant du temps. Oui. Gain de stratagème. Ah, ouais. Excellent. Excellent, excellent, excellent. Ouais, ton machin, cerveau, crâne, tout ça, il y en a pour 1000 ans. Vas-y, recherche. Je peux pas équiper les stratagèmes ici. Ouais. C'est là je crois que je peux les équiper. Hein. Non je peux pas, ok. Ok ok, pas de soucis. Avance de temps. Termine les repas. Opérationnel. Excellent. Non mais cherchez pas, il me faut plus de sbires en fait, c'est tout. Il faut plus de sbires. Un sbire tous les 5 jours, c'est ok. Et ça, c'est les vitesses de construction. Faudra faire ça après. Ça mange quand même 16 serviteurs. On va patienter un peu. Blessure légère qui sera soignée dans 3 jours. Oh là là, c'est excellent ça. C'est défilé. On va commencer à pouvoir récupérer les costauds à première vue. Nouvelle activité de l'éclosion. Oui, mais dans 3 jours. Faites pas chier. Il y en a partout. Si je vais sur celle-là. Ok. Celle-là, c'est la plus proche. Et cette casse-bas, elle est déjà niveau 3. Ce qui fait que le danger est extrêmement élevé. Remporter une mission sans aucune blessure critique. Tu rêves. Impossible. Et on sait que de base, il y aura du chaos, quoi. Du chaos bien lourd. Genre du bon marin de la peste. Alors que là. Là, c'est faible. Et c'est remporter la mission avec seulement 3 chevaliers. Ça me va. Je la prends. À mort les risques, là. Commander, my research is being hampered by faulty terminals in the Libris. Les terminaux défectueux. I have submitted multiple unanswered maintenance requests to the Dominus. A detestably inconvenient process. Analysis indicates Libris terminals are operating at 2% above minimum operational thresholds. Preliminary assessment determined the malfunction originated from direct physical trauma. The Inquisitor was informed. You accused me of sabotaging my own equipment. Evidence. Ongoing correspondence has included escalating overtures of violence against my acolytes. I will do far worse than that if this does not get resolved soon. J'ai déjà pas de sbire, hein. Merci, c'était vraiment super cool.
J'ai au moins 4 chevaliers indestructibles. Non, tu sautes, hein. Tu vas prendre une pause. Non, mais... Trop de clic droit. Du clic droitception. Retire-le de l'escouade. Attends, actuellement on a qui? On a Mithraq. On a Darig. Ah, Darig. Darig qui pique. Faut dire, il a le casque qui fait que ça pique encore. Mais c'est bon deal. Mithraq, t'es bien, mais t'as très très peu de points de volonté. C'est un petit peu un problème. Et ici, du coup, on mettra une balle de ticket. Et alors, à la place de Mithraq, on pourrait mettre. Durwin, c'est ça? Un autre justicier. Monté comment? Ah, qui est monté en épée. Épée grenade. Je pense qu'il nous a tout dit. Il a dit le mot grenade. Bah comment se fait? Oh, j'ai oublié de mettre mon stratagème. C'est le moment de voir si ce jeu a une sauvegarde automatique qui est bien faite ou pas. C'est-à-dire, est-ce que je peux recharger juste avant de lancer ma mission? Dans quel cas, j'ai le temps d'équiper le stratagème de soin. Qui est vraiment trop bien et qui est vital. Hein. C'est-à-dire que là, sa mission là, avec son niveau d'infectation de tier 3, je sais même pas comment je la fais sans le soin. Hein. Mais je pense que de toute façon, je peux pas y aller même avec les marines, enfin les chevaliers que j'ai actuellement, parce qu'il faudrait que... À mon avis, des chevaliers au moins niveau 5 pour y aller. The Astra Militarum are engaged in a protracted campaign below. The Bloomspawn will have easy access to loose biomatter, consuming it to accelerate their growth. Then we must bathe every last one in purifying flame. Je suis ici d'accord. Alors, vraie question, est-ce qu'on peut charger? C'est ça celle que j'ai faite. La auto. Midi 23. Alors je veux bien. Je veux bien, mais je sais pas quelle heure il est. Alors deux secondes. Téléphone, je le trouve plus. T'as mes téléphones? Ah c'est bon. J'ai. Agathe Hôtel. Agathe Hôtel. Midi 24. Y a moyen. Y a moyen de moyenner dans la moyenne. Ouais, on va l'essayer. C'est qui tout double? C'est soit je suis à bord, soit je suis au sol. Soit c'est bien fait, c'est juste avant de cliquer pour lancer la mission. Soit c'est vraiment le tout début de mission. Ça a l'air d'être au tout début de mission. Oh là là, les sauvegardes mal faites. Ça, c'est un drame. C'est un drame. Certains diraient même, Thierry, c'est terrible. Bon, bah néanmoins, on est là. Après, c'est pas la mission la plus critique, mais c'est vrai que ça m'aurait permis de soigner mes chevaliers pour qu'en revenant, ils aient pas de blessures et qu'ils aient pas de temps de récupération. Donc... Ouais, c'est un peu emmerdant. Le point il est là. C'est quoi? C'est un rejeton d'éclosion qu'il faut friter ici et un autre qu'il faut friter là-bas. Ah ouais, il y a un peu de distance à couvrir. On portait la mission avec seulement 3 chevaliers, donc bon bah ça. Il y a que 3 mecs. 3 mecs niveau 3. Combien d'armures Terminator sur le terrain? 2 sur 3. On est pas mal. Un médic, tout. On y sera pas mal. Dans tous les cas, je vais sauvegarder ici. On va s'arrêter là, je pense. Je sais pas quelle heure il est. J'ai pas le temps de relancer un épisode. C'est mort. Oui. Parfait. Et bien sur ce, je vous remercie. C'était Knarfrank sur Comme d'habitude Gaming pour Demon's Gate. Et je vous dis à la prochaine. Chaos Gate. Chaos Gate et c'est Demon Hunter. Voilà. Des bisous. Ciao.